Est-ce que ça tourne? Ok, très bien. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Los Santos Police Department de Californie. Je suis le capitaine Cage, matricule 83. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi avec brio votre recrutement. Vous passez maintenant à la formation. Mais avant tout ça, je dois vous dire les dangers que vous encourez dans cette ville. Vous serez amené à côtoyer les plus gros criminels de la ville. Vous serez amené à avoir des cartels, des gangs, et tout et n'importe quoi. Peut-être que votre famille ne vous verra pas revenir, quand vous direz au revoir à votre femme et vos enfants. Mais sachez que si vous le faites, c'est pour votre pays. Et rien que pour ça, devant l'honneur, comme il se doit. Vous arriverez en tant que cadet, recrue, stagiaire, peu importe. Mais ne baissez jamais la tête et gardez la tête haute malgré tout ce que vous allez voir et tout ce qui va se passer. Nous sommes une famille, nous nous soudons, nous sommes coude à coude et gardons la tête haute quoi qu'il se passe. Nous essuyons des fusillades, nous essuyons bien d'autres choses, mais on reste nous. Nous restons la justice, nous sommes là pour protéger et servir tout citoyen. Et je compte sur vous messieurs. Me regarder pour faire de même, que cette ville soit belle, que cette ville resplendisse comme elle l'était autant. Nous allons passer maintenant à ce que vous allez être amené lors de votre formation. C'est tout à fait important de savoir la lecture des droits Miranda et des codes radio. Mais la formation de base aux codes radio ainsi qu'aux termes propres ou LSPD vous sera donnée par votre sergent instructeur qui vous sera attitré. Je le dis une fois. Prenez compte, prenez note de tout ce qui sera dit. Un avertissement. Le deuxième avertissement, c'est une mise à pied. Le troisième, c'est dehors. Je ne veux pas des robots, messieurs, mais je veux des agents. Droits, fermes, et surtout, qui ne rigolent pas avec la justice. Nous n'avons pas besoin des personnes comme ça. Nous avons besoin de personnes sérieuses. Et c'est pour ça que nous avons mis en place les différents pôles que je vais vous citer. Le premier pôle est le plus important, le pôle Henry, l'aigle de la LSPD. Le pôle Henry est l'hélicoptère, il voit tout, il est avec vous à n'importe quel moment lorsque vous lui demandez. Il vous seconde, il vous écoute, il vous donne les directives, c'est lui qu'il faut écouter, et moi par la suite. Le deuxième pôle est la brigade cynophile, si vous êtes amateur de toutou. Vous aimez les bêtes car elles sont bien plus malines que nous, qu'elles sont stratégiques, entraînées, et vous pourrez encore plus les entraîner et les modeler à votre façon. N'hésitez pas à rejoindre ce pôle. Le troisième pôle est le pôle du SWAT. SWAT n'est pas très bien vu dans cette ville. Comment dire? Ils sont utilisés en dernier recours. Quand un braquage se passe mal ou qu'une négociation court à sa perte, la SWAT est appelée. Elle est appelée pour mettre en pièces les individus qui sont à l'intérieur, et des fois même des otages. Mais ça fait partie de nos prises de risque, monsieur. Il faut que vous mettiez ça en tête. La brigade d'investigation, le pôle de l'investigation, est un pôle qui est très important lui aussi. Il négocie avec les criminels comme des gangs ou même des cartels. Ou encore plus haut. Il est là pour un pourparler avec eux. Il peut arranger des situations des fois. Ça nous est déjà arrivé. Il faut y croire. Et pour terminer, messieurs, la brigade motorisée. Vous allez voir que vous pourrez être amené à rouler des kilomètres et des kilomètres sur l'autoroute avec votre moto les cheveux au vent. Quoique vous devez porter un casque quand même. Gardez votre casque quand même. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par les motos et que vous avez le goût du risque parce que vous êtes vulnérable sur ces engins à deux roues, vous êtes les bienvenus. Messieurs, lors de cette formation, je vous demanderai d'avoir un bloc-notes ainsi qu'un stylo pour noter tout ce qui est dit lors de cette formation par votre sergent instructeur. Je vous dis à tous, bienvenue au sein de la LSPD. Et surtout, ne vous découragez jamais. Car toutes les personnes qui ont été là, beaucoup ont baissé les bras, par crainte, par peur.
ou par fainéantise des fois. Mais sachez qu'on veut une élite en tant qu'Elespidi. On veut que vous soyez au-dessus du lot. Messieurs, je vous souhaite bon courage pour la formation et pour le reste. C'était le capitaine 83. Gardez en tête que nous sommes là pour protéger et servir. Rien de plus, rien de moins. Merci à vous de m'avoir écouté. Over 83.